Ça me ferait mal. Ça me ferait mal. D'abord, je me vois pas mentir. Le type, droit dans les yeux, lui dire que j'ai grandi à Paname, inventer une adresse d'un pote à Paris, cacher pendant tout l'entretien que je suis du 9-3. Et puis quoi encore? Tu commences comme ça, tu t'arrêtes jamais. Tu mens sur tes origines, alors tu mens sur tout. Sur tout le reste. Il faudrait aussi que je m'invente un autre nom, une autre marche. Faire croire à tout le monde que je suis quelqu'un d'autre. Non mais ça veut dire quoi? Parler autrement, marcher autrement. Pardon, mais je me vois pas faire ça. On m'accepte comme je suis, sinon, rien. Pourquoi ce serait un problème d'abord? Puis moi je suis fier d'être né à Saint-Denis, d'avoir grandi là. C'est quelque chose que je revendique. Hein. Pourquoi tout à coup il faudrait que je le cache comme une vérité honteuse? Ça voudrait dire quoi? Que je suis d'accord? On est tous des vendeurs de crack, d'héros. C'est ça? Ça me fout en l'air, ça. Ça me fout en l'air d'entendre des trucs pareils. Les sièges sociaux des plus grosses boîtes sont à Saint-Denis. Ça pose un problème? Non, alors? Pourquoi ça poserait un problème que les employés en soient de Saint-Denis? C'est vraiment un truc. J'ai du mal à comprendre. Hein. Parce que pour moi, c'est plutôt un plus. Je vois vraiment pas ça quand même, moi. Je sais pas, j'ai du mal à l'admettre, là. C'est comme si on me disait, c'est comme si on me disait que j'avais la peste, alors que je suis en forme. Je vais te dire comment faire. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu prends la viande et tu la découpes en petits cubes, de 3 cm environ. Pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Tu prends de l'agneau, tu prends pas du mouton. Tu prends de l'agneau parce que sinon tu vas t'esquinter les dents. Tu ajoutes ton oignon, le bouquet de persil et de coriandre, tu mélanges, tu laisses reposer. Si tu laisses pas reposer, c'est bon quand même. Tu ne t'énerves pas parce que c'est que du plaisir. Tu enfiles tes brochettes et tu fais cuire sur la braise en les tournant de temps en temps. Le mieux c'est la braise. Si t'as pas de braise, c'est bon quand même. Même avec un grill électrique, ça marche. Tu tournes lentement, restant concentré. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu ne laisses pas griller les brochettes parce qu'elles doivent rester tendres à l'intérieur. Après, à toi de voir. Tu sers avec une salade cuite de tomates, oignons, poivrons, avec du pain chaud et c'est un régal, c'est tout. Tu dégustes et t'es content d'être au monde. D'abord, je commencerai par dire que je suis en colère. J'en colère contre tout. Il suffit qu'on me parle de quelque chose pour que ça me mette en colère. Des fois, je ne sais même plus de quoi il est question dans la conversation, je ne me rappelle plus de quoi on parle, ça ne m'empêche pas de m'énerver. La personne me dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Et rien que ça, ça me fait monter sur mes grands chevaux. Ça me met encore plus en colère de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi je suis en colère comme ça? C'est tout. Et si ça plaît pas, c'est pareil. J'ai une sorte de colère permanente. C'est un état qui ne me lâche pas. C'est toujours là. Ça vient du ventre et ça ressort par la bouche. Si ça ne sortait pas, je ne sais pas ce qui se passerait. Je crois que je finirais par exploser. Je m'éparpillerais en mille morceaux. Tandis que là, ça va. Je peux parler. C'est comme le bouton de la cocotte minute. Comment ça s'appelle déjà? Oh, c'est pas possible, ça! Ça porte un nom, là! Alors, quand je ne trouve plus mes mots, c'est pire que tout. C'est comme si le bouton s'arrêtait, bloqué. Dans ce cas, il faut que je passe vite à autre chose pour qu'il se remette en marche. Tiens, en ce moment, ce qui m'énerve, c'est les travaux en ville. Le bruit des marteaux-piqueurs. Pendant toute la durée des travaux pour le tramway, j'étais folle de rage.